Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Bonjour Sami Aloun. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Alors dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de e-administration. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'exploitation du numérique et la vigilance face à la falsification de documents. La certification électronique figure parmi l'une des solutions pour éradiquer un maximum d'entraves auxquelles sont confrontés les citoyens, Samy. Une administration appelée plus que jamais à s'adapter à l'ère du numérique, à l'ère de la connectivité, de l'envoi et de la réception de documents, de fichiers instantanément garantissant leur authenticité et véracité. Une e-administration qui s'installe progressivement dans certains secteurs, mais reste assez timide dans d'autres, zoom sur cette numérisation en cours qui vise à installer un climat de transparence et de bonne gestion. Une gestion moderne qui s'appuie sur l'outil informatique, un outil maîtrisé par certains administrateurs qui arrivent à fournir des prestations de qualité en une limite de temps avantageuse pour le citoyen. D'autres peinent à mettre en œuvre la base de cette vision numérique, voire à comprendre ses enjeux. Au lieu de fluidifier les processus, le citoyen se retrouve entravé avec des procédures supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être avec la digitalisation, supposée être rapide et pratique à la fois pour l'administrateur et pour le citoyen. De mauvaises pratiques qui encouragent l'opacité, le manque de coordination entre les différents services, l'une des problématiques les plus récurrentes étant de confondre entre format papier et format numérique, mélangeant ainsi les deux concepts comme par exemple demander à un citoyen de signer de façon manuscrite un document numérique, soit devoir l'imprimer, le signer, le rescanner, ce qui ajoute des étapes qui n'ont pas lieu d'être dans des systèmes 100% numérisés. Il est vrai que la falsification des documents avec le faux et usage de faux, l'administrateur doit vérifier l'authenticité de chaque document. C'est là où la certification électronique et signature électronique font leur apparition pour prouver que le document numérique est bel et bien réel, authentique, sans étapes supplémentaires pour le citoyen, sans davantage d'entraves qui prennent beaucoup de temps, d'autant plus que l'AGCE, l'Agence gouvernementale de la certification électronique, est la seule à pouvoir certifier ce genre de documents. Rester vigilant face aux différents fléaux de falsification tout en garantissant une administration fluide et rapide aux citoyens, c'est le défi auquel sont confrontés les administrateurs dans les quatre coins du pays. Une formation, de la sensibilisation à la vision numérique pourrait les doter de ces compétences modernes, synonymes d'une administration plus transparente avec plus de traçabilité.